gros, j'espère que tu sais où c'est la place de la préfecture parce que je ne sais pas. Et t'es déjà allé chez lui? Oui, mais place de la Chouette, enfin, elle habite devant la Chouette. Quand je suis à une fête, j'ai toujours besoin de m'éclipser, pour me retrouver seule quelques minutes, dans les toilettes ou toute autre pièce vide. D'une part, c'est le moyen que j'ai de prendre conscience de mon état d'ébriété. D'autre part, c'est pour moi comme l'occasion de faire le point dans ma tête, de me relaxer, de me recentrer, de calmer et canaliser ma surexcitation. Il est 4h52 du matin, le 24 avril, et avec Fatoumata, nous sommes au McDrive. Je répète qu'il est 4h52 du matin. Ce qui est très dramatique. Fatoumata a commandé un menu McFirst avec un hamburger, des frites et un iced tea, et moi j'ai commandé une petite frite. Je rappelle qu'il est 4h53 maintenant du matin. Regardez, il y a une personne qui est en train de servir. Cette personne travaille à 4h53 du matin. J'ai vraiment hâte de m'empiffrer de frites. Ça va être super. Et je prends mon petit déj en 5h. Merci. Merci. Au revoir. Ça va aller, je te passe. Merci. Bon, est-ce qu'on va se poser pour manger ça? Mais je comprends pas trop le... C'est quoi, c'est toi, c'est un projet qu'on t'a donné à faire ou c'est non, toi qui le fais volontairement qui de filmer un peu ma vie quotidienne, de voir ce qui se passe autour de moi. Ok. Alors, attends, comment on va s'organiser? Les petites frites. Merci. Serviette. Non, c'est trop drôle. C'est trop incongru comme situation. Crème caramel, façon ressoufflée.
20 janvier 2007. Cher journal, j'aimerais pouvoir ne jamais sortir de ma chambre. Le monde extérieur semble si hostile, effrayant. Il ne m'apportera rien de bon. Je préfère rester ici avec toi, écrire, écouter les Beatles, lire mes Titeuf et dessiner. Cette bulle est hermétique, mais pourquoi personne ne le comprend ? Obligée de cacher mes journaux sous ma pile de t-shirts. À table, je regarde ma cousine. Je n'en reviens pas qu'elle ait 16 ans. C'est une jeune femme en devenir qui se trouve devant moi. Ma sœur aussi est une jeune femme en herbe. C'est encore plus étrange à réaliser, car il y a quelques années encore, j'allais frapper à la porte de sa chambre pour jouer au Playmobil et aux Amilou. Je me fais rire. Et moi, qu'est-ce que je suis ? Une jeune fille, réponse A. Une jeune femme, réponse B. Une femme, réponse C.